Alors, voici donc le nouveau jeu de cette chaîne, Control. Enfin, nouveau. Si vous avez vu les playlists, vous n'êtes pas surpris. Mais voilà. Apparemment, il est bien ce jeu, mais en vrai, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, c'est parti. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une jolie rouquine et que moi, je dis oui. Qui aurait des espèces de pouvoirs, a priori. On verra bien ce que ça va donner. Tout ce que je sais, c'est que les critiques ont été plutôt bonnes, même si à mon avis, ce sera pas un jeu très très long. Et du coup, c'est la première vidéo, à part celle d'Overwatch, que je fais depuis que je suis rentré chez moi. C'est plutôt cool, je trouve. Et il n'y aura plus trop de problèmes. Oh, attends. Je vais arrêter de parler. Non, l'héroïne ne s'appelle pas Jessie quand même. Bah ouais, j'ai acheté le jeu. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it, and we think that's the whole world. The room. Poster. The picture is something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie. What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes, sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Salut. Why did you bring me here? Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Le jeu est sorti il n'y a pas longtemps, qu'il a eu de bonnes critiques, mais je pense pas qu'il sera très très long. Merde, j'ai oublié où j'en étais. Oh Jessie, t'abuses. Attends, il y a un truc là. C'est quoi? Et donc oui, j'allais revenir sur le fait que l'héroïne s'appelle Jessie. Je pense que j'ai déjà dit dans Days Gone justement, mais ce nom me rappelle pas mal de souvenirs. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Donc du coup, le sceau, c'est quoi? Ah, c'est l'espèce de symbole là, le triangle avec la tête en bas. Wesh, wesh le moustachu. C'est pas le mec qu'on a vu dans l'intro d'ailleurs?
Ah oui, mais tout ça, on les a vus dans l'intro avec la personne qui passe le balai. Et là, cette image est. Ah, elle est vachement floue. Ou c'est peut-être lui qu'on a vu dans l'intro. Putain, j'ai déjà oublié la vache, mon cerveau, quoi. Les chiottes. C'est bien ça, les chiottes. Il y a souvent des trucs dans les chiottes. Bon, surtout dans les jeux d'horreur, on va pas se mentir. Federal Bureau of Control. All these years, I've been looking for them, and they were hiding in plain sight. Pas moyen de me baisser. Non, je crois pas. Bah, j'essaie toutes les touches. Bon, tant pis. Ah, mais c'est une vitre, je suis con. Des chips, des bretzels, des crackers. La vache, ils sont vachement ternes leur paquet, dis donc. Attends. Attends, je vais peut-être au moins. Bon, bah, moi je vais pas lire, mais pour ceux que ça intéresse, je vais au moins les feuilleter. Personnel de surveillance. Ah ouais, de toute façon ils sont floutés tous. Ok. Okay, j'ai rien en multimédia. Ok. Donc c'est ça, ouais, quand je vais trouver les trucs, moi je vais pas les lire, mais je vais les laisser pour les gens qui veulent lire. Qui veulent mettre pause pour les lire. Quand je reviens en arrière, là, oui, je reviens en arrière. Je trouve l'ambiance vachement lourde. Ça, c'est vachement stressant. En plus, comme j'ai tout le son dans les écouteurs. Je l'entends en stéréo, c'est flippant. Hey, Salut! excuse me. Et la bave, je te brise le cou. There you are, warrior. Salut. What a job. Janitor's assistant. Salut. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm a janitor, by the way. You work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, you're relevant. There'll be work for the axe. Take them behind the sauna. Quoi? I've done enough night shift loader jobs to know it makes us come off weird. Ati the janitor is a friendly face in my book. Ouais. Je sais pas quelle langue il parle. C'est étrange. Attends, mais je suis revenu en arrière, en fait. Je suis carrément revenu en arrière. Ah, ok. Très bien. The cell and the poster. Faites place. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Ah oui, alors si tu commences à me parler directement à moi en tant que joueur, Jesse, ça va un peu me. Mais écoute, oui, bien sûr que je t'aiderai. Et la plot twist, en fait, on est de la méchante. Ce serait couillu.
Alors c'est marrant parce que Federal Bureau of Control, ça fait FBC et c'est aussi le nom d'un des du pseudo bureau anti-terroriste de Resident Evil Révélation. Oh mon Dieu, tout est lié. Ou pas en fait. Did I lose you there for a moment? Non. You know Franchement. what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Oh. Je suppose qu'un de tes objectifs, ça va être de le sauver. Ah, clearance level. Ok, je peux pas aller là. Est-ce que je peux aller ici? J'ai pas une lampe que je peux allumer? Oh! Hop, là, il y a du papelard. Shit. Ah merde. Shit, shit, shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Attends, mes amis. Attends, il avait un... Ah, j'ai cru qu'il avait des tranches de concombre sur les yeux. Il s'est fait tuer en plein sauna, j'allais dire waouh. Ouais, exactement. Tu vas ramasser ça, ma grande. Parce que s'il y a un truc chelou dehors... And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one, ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Et là, en fait, j'ai eu la mauvaise fin parce que j'ai ramassé le flingue. Grande. Oh, j'ai une barre de vie, ça y est. Ça veut dire que la merde va commencer. Hop. Elle veut s'accrocher au truc, parfait. Hop. Ah. Corps à corps, triangle, très bien. Salut. Je m'attendais à un combat. Mais un peu où j'arrive là. Là-dessus. Auto-élu. Oh. Très bien, ok. Par contre, j'ai quoi au niveau munitions? Oh, elle se recharge toute seule. C'est bon, ça. On produit automatiquement des munitions. Ok. Ça va être un truc du genre une arme de base avec munitions illimitées, quoi. J'avais pas vu toi. Ok, c'est plutôt simple en vrai. Oh, t'as un flingue toi aussi. Aïe.
Ok. Attends, il y avait un truc là, c'est quoi? What? Attends, du coup j'ai remplacé le directeur, c'est ça l'histoire? Yes. It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. I'm happy to be here. Ah, t'as changé d'avis au final. Ah bah ça tombe bien, ma grande. Bon ben désolé mec hein, je ferai de mon mieux pour te remplacer. Et merde. On dirait un SCP le truc. Ah mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ça, on s'en bat les couilles. Du coup je peux aller là maintenant? Non, toujours pas. Du coup j'étais en train de chercher les cadavres pour avoir des munitions mais j'oubliais que c'est pas la peine. Attends, du coup je suis... pas aller dans la bonne direction, j'ai l'impression. Oh! Ah, je peux laisser la map comme ça, très bien. Oui, sauf qu'en fait, c'est pas par là, en fait. Ah! Ok, en tout cas... le début, j'aime bien, ça a l'air très bizarre. Mode d'arme. Oh prise. La prise est fiable avec un tir semi-automatique fatal à courte et longue distance. Ok. Par contre, j'ai toujours le réflexe de vouloir recharger avec carré. Réflexe de jeu de tir, t'as vu? Oh! Secure line of communication. Wesh! Guys, reach the hotline. Ah ok, donc je peux aller par là. Oh! Attends, c'est moi ou ça venait de derrière? Ah, une touche roulade, ce serait bien une touche roulade. Il y en a encore un, il est où?
entendu un mec tirer, il est où? Ah, il est là! Ah, d'accord. Les éléments de santé, ok. Je bois la vie des cadavres, concrètement. Du coup, c'est là qu'il faut que j'aille? Non, mais je vais prendre le merdier. Toi, t'as pas intérêt à bouger, hein? Oh, on dirait qu'il est pendu. Oh, c'est marrant cette manière d'ouvrir les portes. Mode personnel. Récupération d'endurance. Eh ben, ok. Je sais pas trop c'est quoi l'endurance pour le coup, mais... Ah, d'accord. Je le maintiens pour ouvrir direct ce que j'ai... Ok. Du coup, faut que j'aille par où? Par là. Ok, il a l'air méga chelou ce jeu. Franchement, je, pour l'instant, j'adore. Oh! Tu vois, le titre qui me fait peur, quoi. On en est là. Alors. Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss burrowing into everything in this. Hop, excuse-moi. Place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. Attends, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein. J'ai l'impression qu'elle me parle. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Wesh. Oh, c'est un truc que j'allume et que j'éteins, très bien. Ah tiens, voilà le triomphe des Illuminati. Oh, 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 oh! Ok, c'est quoi ça? C'est un boss? On dirait, hein? Excuse-moi. Ok, là par contre je vais crever. Attends, je recharge. Coucou. S'il te plaît, Trench, arrête d'envoyer mon écran, c'est un peu troublant. Ok, bah, je suppose qu'il faut que j'appuie là. Vous êtes où? Ah, j'ai des tenues. Mais non, j'en ai pas. parler à l'intercom. Ah, il est là. Oui. Oui, je suis là. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh shit!
You're the new director. Hold on, we're coming out. Oh, ils sont déjà au courant? Salut. Director, Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss, that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone. On dirait que son oreille droite est un peu penchée, c'est bizarre. Extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Mm-hmm. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Ouais, j'imagine. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted. And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. It's... I can't even... Mais... Ah, c'est mignon. Ah, c'est marrant. Je suis impliqué. Non. Do you know my brother Dylan? Non. Je suis impliqué. But there's something I need to ask you to do first. Oh. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are... Ouais, j'avoue, je peux essayer. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Oui. Okay. Ah, j'adore le concept. Oui. We did it before. Push the hiss out. Ah bah j'ai aucun autre emplacement, ok. Du coup. Là, il y a quoi? Ah, un joli bureau. On va peut-être du merdier. Des matériaux? Ça sert à quoi, du coup? Amélioration de précision, dégâts à la tête? Ah non, celui que j'ai là, c'est amélioration des dégâts à la tête. Et là, c'est amélioration de précision, ok. Et là, j'ai récupération d'endurance ou amélioration d'énergie. Non, je vais récupérer, je vais garder l'amélioration d'énergie. William l'énergie. Alors. Alors écoutez, il y a ce mec qui dit beaucoup de bêtises, mais il m'aide. Ah, je peux pas aller là. Tu peux entrer là-dedans, Émilie, tu permets? Le point de contrôle. Ok.
Salut. Ça va les mecs? Non, attends, la carte du coup c'est par là. Mais je sais pas, je dois aller par où du coup? Je dois revenir en arrière possible, peut-être? S'il y a quelque chose dans cette pièce. Non, sérieusement, je dois aller par... Oh, oh, oh. Ah mais elle était juste là. Allez. J'ai réussi? On a réussi? Et merde! Désolé, Mac. Ah non, c'est pas toi. Désolé, Mac. Elle est où? Putain, elle est où? Emily! Ah, elle est là. Ah, je suis désolé, meuf. Ouais. Oui, j'avoue, parce que là, vraiment... Je vais lui dire pourquoi je suis ici. Je vais risquer. Listen. Le bureau était involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The bureau came in and covered the whole thing. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. Ah. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. A few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun. An old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Super. Okay. That's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Ok, j'aurais sans doute à purifier. Pour l'instant, ça nous sert bien. Donc on va continuer de jouer le jeu, ok? Oui, parce que j'ai acheté le jeu. Oh. I said I was looking for answers, but I might never understand them. Ah. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world.
What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. C'est ça la hotline? Allô, fantôme de Trench? Oui, on est deux là dans le scénario, mais on aurait bien besoin d'un coup de main. Ok, donc c'est ça qu'il faut que je trouve. Hop, excuse-moi, Emily. Je vais juste regarder un truc vite fait. Ah, j'ai un autre truc. Récupération. Oh, récupération santé. Ah, c'est bon ça. Par contre, je peux en équiper toujours qu'un seul. Ah, Ouais, récupération de santé, ça me paraît plus important quand même. Excuse-moi, Emily. Bien. Oh, excuse-moi. The hotline should be in the communications department. On va faire tout ça. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. OK, donc ça doit vraiment venir d'ici. Ouais. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty ouais. Shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. Non, what c'est sûr. That, Emily? L'origine, donc, c'est fait. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. Transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. Ah oui, d'accord, what we do here is essential but unstable. C'est comme merde, ça me rappelle un autre truc ça. We need strong walls to make sure nothing gets oui. Out. So without you, I never would have found the front door. Okay. Je t'en prie. Ça me rappelle. Ça me rappelle la tanière du Crooked Man dans The Wolf Among Us, qui bouge tout le temps et même l'entrée est différente. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that, given ouais. The circumstances. J'avoue. Yeah. Can you tell me what an object of power is? C'est des SCP. This is all... well... Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. D'accord, donc les objets de pouvoir, c'est les objets machins qu'elles ont réussi à maîtriser. Ça me rappelle carrément les SCP. Thanks. So HRA stop you from becoming HISS. It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. And each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. His behavior makes me wonder. Ouais, je pense que soit, comme elle l'a dit plus tôt, soit il est impliqué, il le savait, soit il n'était pas impliqué, mais il l'a appris d'une manière ou d'une autre. A plus, Emily. Just let me know.
Entrer dans le département des communications. Ok. C'est par là-bas. D'accord. Attends, je peux. Ah oui, mais je suis arrivé d'en haut, c'est vrai. Et on en est déjà à 40 minutes de jeu. Je vais continuer un petit peu. Franchement, je trouve le début génial. Maintenant que je ressors, hop, je ressors mon flingue. Le bureau du Dirlo, il est par ici. Ouais, par contre, j'ai pas l'impression que c'était par là. Il doit y avoir un accès dans le bureau du directeur. Parce que regarde là le plan. Il y a un chemin qui part d'ici et qui va plus loin. Oh! Trench n'est plus là. Et merde. Quand les cadavres commencent à bouger, il y a peut-être un autre passage que j'ai pas vu. C'est un peu stressant hein, d'entendre les gens parler comme ça dans mes oreilles. Ah oui, je pouvais pas passer par là avant parce que c'était fermé. Mais non, mais je reviens là, c'est complètement con. Fermez vos gueules! Bah, du coup, il est parti, le concierge. À tous les coups, le concierge, c'est le boss final. Si c'est vraiment ça, je rigole. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. Je vois pas par où je dois passer, ça m'énerve, ça me rend ouf. Salut toi! Oh! D'accord. There it is again, our welcome message. Matériaux. Ou
Waouh, 300 dollars de minibar. Je sais pas qui a eu cette note là, mais il s'est bien amusé, hein. Oh! Wow, 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 wow. On va pas aller par là. Non. Oh. Les infos vont vraiment vite ici, hein. Moi je suis la directrice depuis genre de 20 minutes, j'ai appelé ça comme ça et du coup tous les rapports ont déjà changé de nom. Communication c'est tout droit, mais je peux pas aller par là. Ok, ah ok, je suis supposé aller par ici, très bien. Ah bon. On va avoir encore un boss à la con, je suppose. Fait peur ce con. Ah, une espèce de barrière. Oh, fait chier. Tiens, meurs, salope. Attends, il y a un truc là. Aïe, 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 aïe. Et merde. Putain, c'est vachement psychédélique. On dirait Gigas dans Earthbound. En arrière là, c'est quoi ce bordel? There it is again. A welcome message. Attends, du coup ça. Oui, par contre, ça a sauvegardé les trucs que j'ai ramassés, ok. Ça sauvegarde pas ma progression, mais ça sauvegarde les trucs que je ramasse. Donc on ne va pas par là. Et ça a l'air de... Je sais pas si j'affronterai encore les ennemis. J'ai pas l'impression. Quoi ça? Ah! C'est intéressant ça aussi.
lâche, arrête de me mettre des mandales. Il y en a encore un, je le sens. Oh! C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Allez! Super. Du coup. Ouais, je pense que je vais arrêter là. Eh ben, ça promet en tout cas. Allez, à la prochaine, Jessie.